Comment créer sa boutique en ligne? Pour le savoir, nous rencontrerons Zazie, la spécialiste des dessous chic et pas cher sur le net. Puis, petit cours d'e-pratique avec notre expert. Et enfin, nous vous donnerons le e-mode d'emploi pour bien choisir le statut juridique de votre entreprise. Pour devenir vendeur pro sur la toile, c'est ici qu'il faut cliquer. C'est dans son pavillon d'une paisible banlieue que Swazik, dit Zazie, a créé sa boutique de lingerie en ligne. Et c'est entourée de cartons sans dessus-dessous qu'elle gère sa petite entreprise et cultive son jardin secret. Tout de suite, Zazie dans le rétro. Alors Zazie Lingerie, c'est parti d'un constat relativement simple, c'est-à-dire que toutes les femmes portent de la lingerie. Et je me suis rendu compte qu'il y avait très peu d'offres pour les personnes qui avaient aussi bien besoin de toute petite taille que de grande taille. J'ai pas totalement arrêté mon activité professionnelle aujourd'hui en tant que salariée. J'ai commencé en tant qu'auto-entrepreneur. Au bout d'un an, je suis passée en temps partiel et aujourd'hui, j'arrive à avoir une qualité de vie relativement saine et stable puisque j'arrive aussi bien à gérer mes ventes sur Internet que à gérer ma vie de salariée. Mais au fait, pourquoi ce nom Zazie Lingerie? Alors Zazie Lingerie, pourquoi? Parce que mon surnom c'est Zazie et je vends de la lingerie. Alors aujourd'hui, moi j'ai créé mon site web. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de trafic sur le site web puisque c'est vrai qu'il faut faire connaître sa marque, ce qui n'est pas évident. Donc pour se lancer, le plus simple c'est aussi de passer par des sites spécialisés qui eux ont une renommée qui vous permettent de rapidement vous lancer. Alors l'avantage de la vente en ligne, c'est qu'on est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. On a donc ainsi une visibilité qui est très importante. Ça nous permet aussi d'équilibrer notre vie, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de traiter la commande à l'instant T. On peut attendre un petit peu et puis programmer un petit peu notre rythme de travail, ce qui fait que ça nous donne un cadre de vie relativement souple et très facile à vivre. Alors aujourd'hui sur Internet, j'ai un peu plus de 6000 articles en vente, ce qui me permet comme ça de couvrir une large gamme de clientèle. Oui, alors aujourd'hui, moi, je fais tout. C'est vraiment très artisanal, c'est-à-dire que je prends l'article, je le déballe, je le mets en scène, je prends les photos, je les retravaille un petit peu sur mes logiciels et puis je fais la mise en ligne. Donc aujourd'hui, je suis devenue une SARL à travers laquelle je développe mes ventes quotidiennement. J'ai pu doubler mon chiffre d'affaires en l'espace de 4 mois. Et mon objectif à terme, donc d'ici les 6 prochains mois, c'est d'en faire mon activité à temps complet et puis à temps partiel. Je compte devenir vendeur professionnel sur Internet, comment dois-je faire? La réponse de notre expert Johan Russo, directeur général d'eBay en France. Lorsqu'on me pose la question de savoir comment commencer dans le e-commerce, je recommande très souvent d'ouvrir une boutique directement sur une place de marché qui permettra de commencer à vendre facilement et à moindre frais. Avoir une boutique sur une place de marché, c'est la possibilité de développer votre image de marque, d'accroître la visibilité pour vos produits et enfin de personnaliser votre espace de vente. C'est un espace qui est rassurant pour les acheteurs dans lequel ils seront plus enclins à faire leurs achats si vous respectez quelques règles d'or. Première règle, soignez votre présentation. Un exemple, insérez votre logo, insérez et présenter votre charte graphique. Deuxièmement, communiquer sur les services que vous proposez. Le numéro de téléphone auquel les consommateurs peuvent vous joindre, les modes de livraison que vous proposez, mais également vos conditions générales de vente et les conditions de retour. Enfin, structurez votre boutique. Comme dans un commerce traditionnel, organisez votre boutique avec des rayons, c'est-à-dire autant de catégories dans lesquelles vous allez ranger vos produits. Comment trouver un local? Alors évidemment, vous pouvez toujours en louer un. Mais finalement, le conseil que je vous donne, c'est si vous avez la place, ayez directement le stock chez vous pour démarrer. L'important quand on travaille sur Internet, c'est la confiance qu'on a avec les fournisseurs. Premier point, vérifiez la viabilité et le sérieux de vos fournisseurs. Par exemple, en consultant les registres du commerce. Deuxième point, vérifiez le sérieux et la conformité des produits qu'ils vous proposent en demandant des certificats d'authenticité, des notices d'utilisation et n'hésitez pas à demander des échantillons. Enfin, consultez de nombreux sites Internet qui vous donneront accès à des fournisseurs français, mais également étrangers, qui vous permettront d'accéder à plus de produits à des meilleurs prix. Afin de permettre aux consommateurs de faire leurs achats sur Internet en toute confiance, il est important que vous puissiez proposer un moyen de paiement sécurisé, tel que PayPal, qui a l'avantage de garantir les consommateurs en cas d'objets non reçus ou endommagés, mais également, vous pouvez proposer des cartes bancaires ou un virement. En conclusion, ouvrir sa boutique en ligne, c'est simple, rapide et efficace, surtout quand on démarre son activité. Oui.
Créer sa boutique en ligne, ok, mais quelle forme juridique choisir? En fait, tout dépend de votre situation personnelle et professionnelle. Vous n'avez pas d'associé, alors vous pouvez vous orienter soit vers le statut d'auto-entrepreneur, soit vers une EI, entreprise individuelle, une URL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou une SASU, société par action simplifiée unipersonnelle. Tout dépend du chiffre d'affaires envisagé. Ainsi, choisir le statut d'auto-entrepreneur peut être intéressant s'il s'agit pour vous d'une activité complémentaire à une activité salariée ou à une pension de retraite, par exemple. Et il faut aussi que le chiffre d'affaires ne dépasse pas un certain montant. Vous êtes plusieurs à vouloir vous associer. Alors, vous pouvez opter pour une SARL, société à responsabilité limitée, une SNC, société en nom collectif, une ESA, société anonyme, ou encore une SAS, société par action simplifiée. Pour en savoir plus sur l'e-commerce, rendez-vous par exemple sur les sites apce.fr et cci.fr et sur le site d'eBay, Espace Professionnel. À bientôt.